Une campagne de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, du VIH-Sida, du diabète, de l'hépatite B et C a ouvert les portes de l'hôpital Marie-Louise, situé à La Poudrière, au grand public. Plusieurs personnes ont répondu favorablement à cet appel en vue de connaître leur état de santé. Et normalement, mon but dans la clinique, c'est venir faire le don du sang. Maintenant, puisqu'il y a des examens qui sont gratuits, donc j'ai profité pour ces examens-là. Là, je suis au laboratoire pour venir faire le prélèvement. Tous les examens, le dépistage, ça se passe gratuitement. Il n'y a aucun franc que les patients vont payer. C'est vraiment très important de savoir ce qui se passe dans toi, qu'est-ce que tu as, ce qui se passe dans ton corps. Ça s'est bien passé. Si on pouvait faire ça au moins une fois dans l'année, ça serait profitable pour nous, la population, qui n'a pas de moyens. Dans le souci de toucher un grand nombre de personnes, le responsable de cette structure sanitaire a invité la population congolaise à venir se faire dépister dans ce centre. Pour la consultation, les consultations sont à prix forfaitaire. Donc avec une somme de 3 000 francs, on peut les dépister facilement, on peut les consulter et découvrir des maladies qu'ils ont dans nous. La porte est largement ouverte à toutes les couches sociales. Qu'ils viennent massivement se faire dépister, c'est gratuit. Outre le dépistage de l'hypertension artérielle, du VIH et du diabète, le centre de santé Marie-Louise a aussi organisé une opération de don de sang pour rendre disponible ce précieux liquide dans les hôpitaux.